Bonjour à tous, à suivre dans un instant l'audition d'Henri Proglio, le PDG d'EDF, qui a été auditionné par le Sénat la semaine dernière, quelques jours après la présentation en Conseil des ministres des grandes lignes du projet de loi sur la transition énergétique par Ségolène Royal. Alors Henri Proglio a été auditionné la semaine dernière par les commissions du développement durable et des affaires économiques sur deux éléments notamment. Est-il possible de porter à l'horizon 2030 à 40% de la part des énergies, notre part d'énergie renouvelable? Deuxième autre question qui a été posée à Henri Proglio, quel sera l'impact pour EDF d'un point de vue économique de faire porter à la moitié de la production d'énergie la part du nucléaire? Tout de suite donc, retour à cette audition qui s'est déroulée mardi dernier au Sénat. C'est un honneur d'être présent aujourd'hui devant vous. J'avais préparé un texte, je vous le laisserai d'ailleurs, mais je vais m'en évader tout de suite pour répondre le plus possible directement aux sujets qui sont évoqués par le Président et pour cadrer un peu le sujet. Au fond, qu'est-ce qu'on appelle transition énergétique? Quelle est l'ambition de la France? Quelles sont les caractéristiques de la France dans le monde? Quels sont les besoins énergétiques? Et quel est le meilleur mix énergétique, non seulement en termes de production, mais en termes d'approche d'une manière générale? D'abord, merci Monsieur le Président. Vous m'avez demandé quelques éléments sur EDF en soi, la société EDF, qui est maintenant une société cotée en bourse, dont j'ai l'honneur d'être le responsable. C'est une entreprise, société anonyme, donc cotée sur le marché de Paris, au CAC 40, dont la capitalisation boursière avant les événements de la semaine dernière était de l'ordre de 53-54 milliards d'euros, elle est un peu fondue. Pour des raisons anecdotiques. C'est une entreprise qui fait à peu près 80 milliards de chiffre d'affaires. Je parle en euros, bien entendu, dont deux tiers en France, un tiers à l'international, qui a vocation, évidemment, à voir la partie internationale se renforcer, qui compte de l'ordre de 165 000 collaborateurs, avant la prise en compte de l'intégration de Dalkia, qui doit se produire durant la première quinzaine du mois de juillet, si Bruxelles, selon toute attente, donne son feu vert. Dalkia, c'est 15 000 personnes. Et c'est de l'ordre de 8 milliards de chiffre d'affaires. Enfin, voilà, donc on sera un peu au-dessus de 85 milliards et avec 175 000 collaborateurs. Bon. C'est une entreprise, c'est le premier électricien du monde. C'est le premier opérateur nucléaire au monde. C'est le premier opérateur hydraulicien en Europe. C'est le premier opérateur de réseau en Europe et l'un des plus grands au monde. C'est le premier centre de recherche mondial en matière d'électricité. C'est la référence mondiale en matière de système électrique. Ouais, ce qu'est EDF, au fond, c'est le premier investisseur européen, ce que beaucoup de gens ignorent. Nous avons un plan d'investissement, si Dieu le permet, c'est-à-dire si on ne nous désarçonne pas par des mesures qui nous interdirait de faire face à ces engagements. Nous avons un plan d'investissement de l'ordre de 200 milliards d'euros dans les 10 ans qui viennent, dont 120 milliards à peu près en France et 80 milliards à l'international, dont le programme britannique du nucléaire particulièrement. Nos grosses positions à l'international sont évidemment la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Europe centrale, y compris la Belgique et la Pologne. Nous sommes le premier opérateur français, premier opérateur britannique, deuxième opérateur italien, troisième opérateur polonais, deuxième opérateur belge. Nous sommes depuis 30 ans en Chine, ceux qui nous connaissent le savent. Nous avons exporté là-bas notre compétence dans le domaine du nucléaire. Nous sommes dans l'hydraulique au Laos, nous sommes en Amérique latine, notamment au Brésil, qui fait aujourd'hui parler de lui. Nous sommes en Amérique du Nord, nous sommes au Moyen-Orient et nous avons des ambitions partout. Voilà ce qu'est EDF en quelques mots. L'énergie. Il y a des phases de l'histoire du monde. Alors d'abord le monde. Le monde, c'est 7 milliards d'habitants aujourd'hui. C'était 1 milliard et demi au début du XXe siècle. On perd souvent, je dirais, la mémoire de ce qu'est l'évolution du monde. Le monde a quintuplé sa population, malgré les deux grandes guerres mondiales du XXe siècle, en l'espace d'un siècle.
Ça sera 9 milliards d'habitants d'ici 2030. On voit ce que ça implique comme conséquence en matière de besoins primaires en eau, en énergie, en nourriture, en santé. Besoins fondamentaux. Et quand on regarde la France, vue du vaste monde, on n'a pas le sentiment qu'on est dans cet univers la référence dans ces domaines d'activité extrêmement précis et extrêmement précieux. Ne le perdons pas de vue, tout le monde a un regard particulier vers le système français en matière d'énergie, parce que la France a su anticiper. C'est un des domaines dans lesquels la France dispose d'un atout absolument unique. Parce qu'au début des années 70, en constatant que, au fond, les chocs pétroliers allaient se multiplier, la France a pris l'initiative de se doter dans le domaine de l'électricité d'un outil unique au monde, qui est sa plateforme nucléaire, qui avait vocation à donner à la France à la fois son indépendance dans le domaine de l'énergie électrique et la compétitivité du territoire. Et de fait, quelques 35 ans plus tard, on constate que la France est le seul exportateur, le premier exportateur d'électricité en Europe, et c'est le pays dont le coût de l'électricité, le coût de revient, est le plus faible en Europe. Donc nous sommes totalement indépendants dans ce domaine, et nous avons une capacité d'exportation et un atout de compétitivité. Article 1. Article 2, on redécouvre ce qu'est l'énergie aujourd'hui. Bon. Lors de la campagne électorale pour le MEDEF, j'avais eu la visite des candidats et les uns et les autres me rappelaient que l'énergie, finalement, c'était pour l'entreprise France, c'est-à-dire tous les secteurs d'activité confondus en matière d'industrie. Pour l'industrie française, Le coût du travail représentait 40% de la moyenne des coûts de la production industrielle française, le coût de l'énergie 20%. Quand on sait les difficultés et les drames que représente le gain d'1% sur le coût du travail, on voit l'importance qu'il y a à ne pas oublier l'importance de la compétitivité liée au coût de l'énergie. Les Américains sont là pour le prouver, car avec les gaz de schiste et la révolution technologique que représentent les gaz de schiste aux États-Unis, dont le coût du, vous le savez, en tout cas historiquement, le coût du gaz aux États-Unis a été divisé par 4 au cours des 10 dernières années, et on voit les évolutions considérables que cela a impliquées en matière de réindustrialisation du territoire nord-américain, de la création d'emplois, l'essentiel du rebond industriel américain provenant du coût de l'énergie. Voilà les attendus du sujet. Enfin, notons qu'en France, si on regarde les chiffres, 98% des 70 milliards de déficit du commerce extérieur français sont tout simplement liés à l'importation d'énergies fossiles, gaz et pétrole. C'est-à-dire que si on faisait l'économie des importations d'énergies fossiles, il n'y aurait plus de déficit du commerce extérieur français. Et ce déficit se creuse d'année en année. Voilà les enjeux. Compétitivité, pouvoir d'achat, industrialisation, emploi, investissement. Alors, parlons de transition énergétique. Le sujet de la France, quel est-il ? Un, comment économiser l'énergie de manière à importer moins et à subir moins de déficits de commerce extérieur tout en gardant la compétitivité du territoire ? Article 1. Et article 2, quel est le mix énergétique susceptible de répondre le mieux à cette attente ? Donc, dans les attendus d'une réflexion, d'une stratégie sur l'optimisation énergétique, sur ce qu'on peut appeler la transition énergétique, je voudrais qu'on oublie simplement le terme transition électrique, le pourcentage d'électronucléaire dans les productions d'électricité. Regardons la transition énergétique. Avec, comme priorité, la première des priorités, c'est les économies d'énergie. Comment faire en sorte que le pays économise l'énergie qu'il consomme de manière efficiente, efficace. Quelles sont les mesures à prendre en matière d'économie d'énergie qui, à la fois, relèvent du bon sens, qui relèvent de l'efficacité économique et pas uniquement de la subvention. Comment faire en sorte que le pays s'engage dans la voie d'une optimisation énergétique au sens des économies d'énergie efficaces. Ça, c'est la première des priorités. La deuxième, c'est quels sont les besoins en énergie du pays à l'horizon des années 2030-2040, bon, en se projetant dans cet univers-là, en tenant compte de l'évolution de la France dans la période intermédiaire entre 2012, date à laquelle on a lancé ce mot d'ordre de transition énergétique, et les années 2030-2040. Et troisièmement, quel est le meilleur mix à ce moment-là, adapté pour permettre
l'efficacité des mesures qui sont adaptées, qui sont entreprises. Il faut faire des hypothèses dans cette idée. Donc, la France de 2025, 2030, 2035 ne ressemblera pas, ne sera pas tout à fait la même, elle ne sera pas figée dans le marbre, ce ne sera pas la France de 2012. D'abord, parce que la France a une des caractéristiques uniques en son genre en Europe, c'est qu'il est un pays dont la démographie est positive. Seul pays européen dont la démographie est significativement positive, l'ordre de 2% par an, ce qui est exactement l'inverse de l'Allemagne ou de l'Italie. Et quand on fait des comparaisons, on oublie toujours ça. L'Allemagne se dépeuple, l'Italie se dépeuple, la France se peuple. 2% par an, ça veut dire que d'ici 2025, par exemple, il y aura 6 millions d'habitants de plus en France. Donc les besoins de la France ne seront pas les mêmes qu'en 2012. Bon. Deuxièmement, la croissance économique. Car aujourd'hui en France, vous avez 70% de la consommation d'électricité et je pense d'énergie au sens large, il faudra le vérifier, qui sont liées aux particuliers. Et 30%, enfin deux tiers entiers à peu près, liés à l'entreprise, à l'économie, à l'industrie. Évidemment, les besoins de l'industrie sont directement corrélés à la croissance du secteur industriel. Et donc, si on veut regarder les besoins de la France, en les anticipant et en les accompagnant, il faut avoir une idée de ce que va être le développement et la croissance économique de ce pays dans les 20 à 30 ans qui viennent. Il m'est arrivé d'imaginer, je ne dirais pas de rêver, mais d'imaginer que la France, comme d'autres d'ailleurs, pourrait avoir un taux de croissance de l'ordre de 2 à 2,5% par an à effet composé, ce qui est nécessaire pour maintenir l'emploi dans ce pays. D'autant que la croissance démographique est là pour renforcer ce besoin. Eh bien, si on se projette à cet horizon-là, alors vous voyez que les besoins en énergie de la France, compte tenu des économies d'énergie, dont on peut imaginer qu'elles représentent 20% d'économies sur l'ensemble des énergies à l'horizon de 2025-2030, que malgré tout, les besoins d'énergie du pays, compte tenu de la croissance démographique et de la croissance économique, resteront positifs. Ça, c'est les besoins en énergie. Ensuite, quelles sont les énergies les plus efficaces? Je constate que en France, nous importons toutes nos énergies primaires, à l'exception de l'électricité. Toutes les énergies fossiles sont importées. Donc, on n'a aucun avantage compétitif dans ces domaines-là. Tout est importé. Nous n'avons pas de ressources propres. Seule l'électricité n'est pas importée, mais est fabriquée, et même nous donne un petit bonus à l'exportation. Donc, si je devais donner une priorité au mix énergétique français, je pense qu'on aurait tout intérêt à pousser la consommation d'une énergie qui est la plus compétitive, parce qu'elle se détache clairement par rapport à la moyenne européenne. En électricité, on est 40% moins cher que la moyenne européenne. Plutôt que dans les énergies fossiles, dont on peut dire que ça ne donne aucun avantage compétitif, puisque nous les importons en totalité, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Norvège, bien sûr, ou de la Grande-Bretagne jusqu'à une date prochaine, puisque les ressources sont en train de s'épuiser, et puis par ailleurs, elles sont en Écosse, qui fait l'objet d'un référendum que vous l'avez peut-être mentionné. Donc, si d'aventure on me posait la question aux citoyens que je suis, non pas au président d'EDF, de savoir quelle énergie il faut favoriser en France, je dirais, bon, d'abord, il faut regarder les besoins en énergie au sens large, et à l'intérieur des énergies, l'énergie la plus propre, celle qui est la plus efficace, celle qui est la plus compétitive, celle qui est la plus, comment dirais-je, qui donne l'indépendance énergétique puisqu'on la produit nous-mêmes, c'est l'électricité. Si j'ajoute à ça que l'évolution naturelle des besoins des particuliers et des entreprises, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies, les nouvelles applications, la modernité, l'efficacité, tous les éléments concourent à faire en sorte que dans le portefeuille énergétique de chacun d'entre nous, la part de l'électricité augmente en valeur relative, d'année en année. Plus le temps passe, plus l'électricité domine le paysage du mix énergétique individuel, des foyers français par définition, puisque toutes les nouvelles applications, encore une fois, et aujourd'hui encore plus à travers la mobilité, l'électricité domine le paysage. Donc, et pour faire simple, dans nos calculs, dans les calculs que la nation devrait faire, il y a d'abord en priorité les économies d'énergie, ensuite l'optimisation du mix énergétique, et enfin, à l'intérieur du système électrique, quelles sont les origines de l'électricité qui sont les plus efficaces. Ma conviction, celle qui ressort de nos calculs, et nous sommes là pour vous donner tous les éléments d'information, sont que les projections en matière de besoins en énergie et de la part de l'électricité dans l'énergie font que, à l'horizon 2028-2030,
des besoins en électricité de la France, sans qu'il y ait un changement considérable dans la répartition des énergies, mais accompagnant l'évolution vers l'électricité du mix énergétique global, les besoins en électricité de la France seront tels que le parc nucléaire existant, y compris le nouveau réacteur de Flamanville, suffiront à peine à représenter 50% des besoins en électricité de la France si les 2%, entre 2 et 2,5% de croissance en intérêt composé sont au rendez-vous, et si on prend en compte l'évolution démographique et malgré les 20% d'économie d'énergie. Voilà le credo sur lequel, évidemment, je ne demande à personne de nous rejoindre les yeux fermés, mais en tout cas, qui justifie qu'on se pose au moins la question. Je sais pas si y compris Fessenheim. Oui, parc existant. Le parc existant. Donc, c'est-à-dire la capacité de production aujourd'hui qui est de l'ordre de 400 TWh. 58 réacteurs français existants, plus nouveau réacteur de Flamanville. Deuxièmement, le coût des énergies. Quel est le coût de production de l'électricité provenant des origines diverses? Aujourd'hui, on peut dire que si on met de côté... Aujourd'hui, la France dispose de 75% de sa production électrique à partir de l'électronucléaire, 12% à peu près, 12,5% à partir de l'hydraulique, et le reste sous forme soit d'énergie nouvelle, soit de fuel ou de gaz, c'est-à-dire de thermique classique, en pointe particulièrement. Le coût de production du mégawatt électrique. Pour l'hydraulique, c'est difficile parce qu'il faudrait tenir compte de l'investissement nécessaire pour un barrage virtuel. Les barrages étant très anciens, ils sont déjà complètement amortis. Donc le plus compétitif, c'est évidemment l'hydroélectricité. J'y reviendrai dans un instant puisque le président m'a demandé d'y revenir sur le sujet de la mise en concurrence des barrages, car les barrages sont les seuls éléments stables, fiables et compétitifs de stockage de l'énergie aujourd'hui avec les ballons d'eau chaude. Puisque le stockage de l'énergie est un sujet sur lequel on travaille énormément, on recherche beaucoup, on n'a pas encore trouvé. Mais l'eau, c'est le meilleur stockage existant de l'énergie, donc les barrages. Deux, l'énergie thermique d'origine pétrole, charbon ou gaz a un coût qui est compris entre 75 et 80-85 euros le mégawatt. L'énergie électronucléaire provenant du parc nucléaire existant, et la Cour des comptes l'a validé à deux reprises par les deux analyses qui ont été faites, c'est 55 euros le mégawattheure. Les énergies nouvelles, l'éolien en fonction... Alors, sans tenir compte du coût de l'intermittence, qui devrait se rajouter au coût des énergies nouvelles. L'éolien onshore, de l'ordre de 90 à 110 le mégawattheure, l'éolien offshore de l'ordre de 150 à 200, le photovoltaïque de l'ordre de 180 à 250. Voilà les prix de revient. Bon. Pour les énergies nouvelles, ne tenant pas compte, encore une fois, de l'intermittence, c'est-à-dire des coûts de structure liés au réseau d'une part et liés à l'adossement nécessaire à des moyens classiques thermiques pour faire face. Voilà les coûts. Maintenant, dans le mix énergétique de demain, force est de constater que le coût moyen des énergies produites a un certain rapport avec le coût de revient final de l'énergie distribuée, et que par conséquent, ou bien on les subventionne, et dans ce cas-là, ça sort de la poche du contribuable plutôt que du consommateur, ou bien on fait payer le coût de l'énergie effectivement au consommateur, mais de toute manière, rien ne se perd, rien ne se crée, et il faut que cette énergie soit rémunérée. À partir de là, l'hydraulique est effectivement un élément extrêmement précieux. Le parc nucléaire existant est un atout compétitif absolument majeur. Le nouveau nucléaire coûtera plus cher que le parc existant et il faudra faire en sorte d'améliorer son coût pour qu'il devienne compétitif. On peut imaginer qu'on soit capable à terme de produire de l'électronucléaire autour du prix du thermique, c'est-à-dire autour de
75 euros le mégawattheure. On est capable de le faire, mais je ne le dis pas officiellement. Et puis les énergies nouvelles, on gagnera un peu en compétitivité, mais de façon marginale par rapport à ce que j'évoquais. Plus le coût de l'intermittence qui représente quoi, 30% du coût des énergies à peu près, rajouté au coût direct. C'est-à-dire qu'en coût complet, on devrait prendre 30% de plus pour le coût des énergies dites nouvelles par rapport aux énergies centralisées. Et puis s'y ajoutent les énergies réparties, c'est-à-dire toutes les ressources locales, géothermie, biomasse, les énergies locales qui peuvent être le waste energy, par exemple, la transformation des déchets en énergie au travers de l'incinération, et toutes les énergies liées notamment, mais qui dépendent à la fois de la sociologie, de la démographie, de la topographie, etc., et qui sont à regarder à la maille régionale ou locale plus qu'à la maille nationale. Voilà le sujet. Alors, à partir de là, si on considère que l'ambition, c'est d'abord de donner à l'électricité la place qui lui permet de maintenir la compétitivité du territoire, et si on considère que dans l'électricité, dans la production électrique, le nucléaire doit être à l'intérieur d'un mix où il soit moins dominant qu'aujourd'hui, avec par exemple un objectif à 50%, alors on peut décliner. Et dire que 50% d'électronucléaire et 10% d'hydraulique, ce qui est à peu près cohérent avec les hypothèses que j'ai retenues tout à l'heure de croissance économique et de croissance démographique, puisque les 12,5 vont devenir 10 dans les mêmes hypothèses, eh bien ça laisse 40% d'énergie à produire, hein, qui sont aujourd'hui qu'il est nécessaire d'envisager. Là-dessus, les énergies nouvelles ont toute leur place, encore une fois, dans le souci de maintenir la compétitivité du territoire et la compétitivité économique. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots. Vous m'avez, Monsieur le Président, posé la question sur l'hydraulique. Pour préciser ma pensée, Monsieur le Président, je pense tout simplement à la Compagnie nationale du Rhône. Et pourquoi ne pas trouver une solution du même type, en particulier avec les collectivités, dans le cadre de la loi que nous avons votée à l'unanimité, la loi CEMOP, c'est-à-dire une SEM à opération unique concernant un appel d'offres qui pourrait être ouvert par rapport au renouvellement des concessions. C'est exactement ça que j'avais en tête lorsque je vous ai évoqué cette possibilité. Alors, l'hydraulique, comme vous le savez, en France, l'hydraulique, ce sont des concessions de l'État, EDF et ses concurrents étant opérateurs pour le compte de la nation, de l'État, des barrages, qu'ils soient d'ailleurs les barrages de montagne ou les barrages sur le Rhône. Les concessions arrivent peu à peu à expirer, donc la question est quid du renouvellement de ces concessions ou quid de la mise en appel d'offres de ces concessions. On sait tous que Bruxelles souhaite que la concurrence s'exerce et que ces barrages soient mis en appel d'offres. Ce sujet est un sujet largement débattu, connu aujourd'hui. Je disais tout à l'heure que le coût pour le pays le poids économique de l'hydraulique en France ne se limite pas à la production d'énergie électrique produite par ces barrages, puisque l'essentiel du poids économique est lié à l'optimisation du système électrique que ces barrages permettent de réaliser au travers du stockage. C'est-à-dire, au fond, ces barrages servent beaucoup plus à stocker l'énergie de manière à assumer avec efficacité les arrêts des grandes centrales et la maintenance des grands sites de production que par la production elle-même, de la même manière qu'elle permet d'éponger les pointes. C'est donc une utilisation beaucoup plus rationnelle que la simple fabrication d'énergie, d'électricité courante par les barrages. Dans ce contexte, bien que ne craignant pas la concurrence, EDF est tout à fait capable de remporter les appels d'offres. Je pense que l'optimisation du système électrique permis par les barrages est un élément majeur de l'excellence du système électrique français. Et que par conséquent,
Nous nous sommes, nous, déterminés à solliciter l'attention de nos interlocuteurs pour que, associés à un programme important d'investissement, les concessions, certaines des grandes concessions puissent être prolongées en contrepartie des travaux des investissements nécessaires qu'il est important d'y réaliser, et que nous puissions, au fond, bénéficier d'une extension de la durée des concessions, au moins pour une partie importante des barrages, de manière à maintenir l'efficacité du système électrique français. Ce débat est en cours. Les alternatives sont possibles, appel d'offres tout court, ou toute autre forme de partenariat public-privé qui ont été évoqués et qui sont toujours possibles. La dimension régionale et locale est importante, la dimension nationale l'est aussi du fait, comme je le disais, de l'outil d'efficacité du système que représentent les barrages. Voilà, mesdames et messieurs, quelques grandes réponses, en étant à votre disposition pour les réponses plus précises aux questions que vous souhaitez. Bien, je vais passer la parole pour quelques petites questions, et non pas des longues réponses. Monsieur Lenoir. Monsieur le Président, avant d'aborder la question qui nous réunit, je voudrais vous demander que la Commission puisse tenir une réunion sur Alstom. Des décisions importantes ont été prises. Je crois que la Commission des affaires économiques ne peut pas se tenir à l'écart des informations qui sont diffusées ici et là. Et donc je vous suggère, au nom du groupe UMP, que nous puissions avoir sans tarder une réunion et au préalable avec le ministre en charge de ce dossier, c'est-à-dire M. Arnaud Montebourg. Monsieur Lenoir, je vais vous répondre tout de suite à cette question. Je suis très favorable, d'autant plus que j'ai eu un contact bien en amont avec General Electric France et que je connaissais un peu les donnes de ce dossier. Vous savez très bien que nous avons auditionné Monsieur le ministre Montebourg et que j'avais déjà essayé d'avoir une réponse, mais je comprenais très bien qu'il y a un silence radio concernant les négociations en cours. La même chose d'ailleurs m'a été répondu lors de l'audition de General Electric France. Vous comprenez bien que les personnes n'allaient pas dévoiler de part et d'autre leurs atouts. En tous les cas, si vous voulez mon sentiment, je considère que c'est la meilleure des solutions parmi les deux solutions envisagées. Je le dis posément après avoir écouté, pas après avoir regardé sur l'ensemble, la complémentarité, les centres de décision concernant l'indépendance aussi énergétique, etc. Je crois que moi, je vous donne mon avis personnel hein, qui n'engage que moi, que c'est la meilleure des solutions qui a été trouvée. Concernant votre proposition, Monsieur Lenoir, j'y adhère fortement. Maintenant, il faudra trouver un créneau avec Monsieur Montebourg avant la fin de la session. Ça ne va pas être gagné, mais je regarde Madame de la Bretèche. Vous avez une mission de contacter Monsieur Montebourg. J'imaginais bien que cette question allait nous arriver. Nous avons un calendrier législatif relativement allégé, Monsieur Lenoir, pour ce qui nous concerne, notre commission. Je ne parle pas de la commission de développement durable qui n'a rien à faire, mais nous avons un programme allégé par rapport au régime que nous avons connu depuis le début de l'année. Ça nous fait d'ailleurs tout drôle. Et donc j'adhère complètement à votre idée d'auditionner dorénavant ou le ministre ou General Electric, comme vous le souhaitez, Monsieur Lenoir. Monsieur le Président, très clairement, d'abord, Monsieur Montebourg, pour répondre à votre observation, je trouve que l'architecture est bonne. Je l'ai toujours préconisée. En revanche, je m'inquiète du contenu de ce qui a été décidé, car il y a de fortes incertitudes par rapport à la prise de contrôle par l'État et sur le prix qui sera finalement conclu. Donc, vous parlez des relations entre Bouygues et l'État. C'est un autre débat, on y reviendra. Non, mais ça fait partie des questions. Oui, oui. Monsieur Lenoir, allez-y. Vous avez... Monsieur le Président, je vais revenir maintenant au sujet qui nous réunit. Merci, Monsieur le Président d'EDF, d'avoir apporté des précisions. Vous l'avez compris, nous avons déjà entamé, même si le texte n'est pas encore connu, un débat sur la loi de transition énergétique
quand je dis que le texte n'est pas connu, le projet de loi sera porté par le Conseil des ministres dans quelques semaines. Et nous avons eu déjà des débats à l'intérieur du Sénat, en commission, d'abord à l'initiative du président de la commission, mais également en séance publique, avec Mme Ségolène Royal. Donc un certain nombre de chiffres ont été avancés, un certain nombre d'observations ont été faites. Alors, je reprends les quelques points que vous avez développés pour insister sur les réponses que vous nous avez apportées, que vous pourrez préciser. Il y a un point important, c'est de savoir quelle est la quantité d'électricité dont nous aurons besoin d'ici à 2030-2040. C'est un grand débat. Quand je dis que c'est un grand débat, je lis un certain nombre de documents qui sont fournis par des gens qui réfléchissent, et je crois que vous n'êtes pas en contradiction avec les écrits auxquels je me réfère. La demande en électricité va augmenter. Nous avons aujourd'hui un gouvernement qui, par sa représentante en charge de l'écologie et de l'énergie, nous dit non, vous vous trompez, la demande va baisser, car nous allons tout faire pour qu'on consomme moins d'électricité. Alors c'est un point majeur, qu'à partir de là, ce sont les moyens de production dont nous avons besoin qui doivent être identifiés. Et j'ai bien perçu ce que vous avez dit, à savoir, compte tenu de l'évolution démographique, qui est un facteur important et souvent méconnu, mais compte tenu aussi de la croissance espérée, nous avons besoin de maintenir tous les réacteurs nucléaires actuellement existants en fonction, sans compter les besoins que nous pouvons avoir par ailleurs. Alors, j'ai bien noté que vous avez dit, après, s'agissant du mix, mais après tout, 50% de nucléaire, 10% d'hydraulique, 40%, donc on pourra. Le problème, mais je comprends que vous ne puissiez pas l'exprimer ainsi, Monsieur le Président, c'est que le renouvelable a besoin de s'appuyer sur du thermique classique, du thermique à flamme pour compenser. Aujourd'hui, en Allemagne, on a fortement développé l'éolien photovoltaïque, mais pour compenser lorsqu'il n'y a pas de vent, lorsqu'il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qu'on fait? On met en route des centrales charbon. La part du charbon est en train d'augmenter. Or, nous sommes en charge, dans le cadre de la transition énergétique, pas seulement du besoin en énergie, mais également de la protection du climat. Donc, ce point doit être important. Deuxièmement, je le dis, parce que nous sommes ici dans une assemblée où on peut exprimer son opinion, pour un certain nombre de personnes, le débat sur la transition énergétique, c'est tout simplement la mort du nucléaire. C'est l'arrêt du nucléaire. Alors, je sais qu'au gouvernement, on n'en est pas là. On ne le dit pas, et même, je le dis comme je le pense, la communication qu'a faite Mme Ségolène Royal a dû certainement surprendre, voire décevoir, des éléments écologistes qui appartiennent à notre Assemblée. Et donc, effectivement, on n'a pas vu d'échéance annoncée concernant la fermeture de centrales nucléaires. On est loin des engagements qui ont été pris de fermer 24 réacteurs d'ici à 2025, et on ne parle pas de Fessenheim. C'est un point important, car nous allons certainement avoir besoin de cette électricité. Alors maintenant, le coût. Monsieur le Président, vous le savez, il y a eu une commission d'enquête ici au Sénat, il y en a eu une à l'Assemblée nationale plus récente sur le coût du nucléaire. Bon. Une chose est sûre, c'est que quels que soient les chiffres divergents auxquels nous nous référons les uns les autres, l'électricité en France est de loin la moins chère, mis à part les pays du Nord, comme vous l'avez souligné, et c'est un point important. Bon, écoutez, on dit moins 40% par rapport à nos voisins, c'est la moitié par rapport aux Allemands pour les usagers, autant le rappeler. Alors, sur l'hydraulique, une petite remarque, je la fais régulièrement pour réveiller un peu la mémoire, pour éviter de tenir des propos imprudents. La Compagnie nationale du Rhône était cogérée par les collectivités EDF. Je me permets de rappeler une loi de décembre 2001. Je me rappelle qui gouvernait la France à l'époque. C'est la loi Murcef qui a fait que le capital a été ouvert et que c'est un concurrent d'EDF, en l'occurrence Suez, devenu plus tard GDF Suez, qui a repris la Compagnie nationale du Rhône. Dernier point, Monsieur le Président, qui est important, c'est le prix. On a parlé du coût. Il faut savoir quel est le prix qu'on paye. Alors, je rappelle, tout le monde le sait, mais
Il y a les tarifs et il y a les prix du marché. Bon, les prix du marché, on n'en parle pas, c'est le marché qui les fixe. Les tarifs, c'est le gouvernement, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie. Alors, il y a un débat qu'on ne peut pas occulter ici. Madame Ségolène Royal a annoncé que l'augmentation prévue serait différée et que, de toute façon, elle ne serait pas du montant qui avait été annoncé. Alors, je le dis tout de suite, pour éviter toute mauvaise interprétation que j'entends. Qui font ça, quelles sont leurs considérations dans le cadre de ce grand ensemble. Un autre point, j'étais rapporteur du paquet énergie 3x20, en dehors de ce qu'a dit Jean-Claude que je partage, moi je mets l'accent sur un 20 d'efficacité énergétique à la taille où vous êtes, avec les contacts que vous avez sur l'ensemble des consommateurs d'électricité en France, quelle offre de services avez-vous en réserve et qu'allez-vous faire demain pour que l'efficacité énergétique soit vraiment au niveau où nous souhaitons? Si, Monsieur Bourquin. Oui, quelques questions. Je vous remercie, Monsieur le Président Directeur Général, pour votre exposé qui situe bien les enjeux. Cependant, je voudrais vous poser une ou deux questions. La première. Quand on parle de transition, on parle de dépendance à une seule source d'énergie. Et on aborde la possibilité d'avoir plusieurs sources d'énergie et de diversifier ces sources d'énergie. Et il ne serait calamiteux d'avoir le débat sur la transition pour ou contre le nucléaire. Ce serait vraiment dommageable. La question, c'est aborder toutes les questions, telles que vous l'avez fait dans votre exposé. L'approvisionnement d'énergie, qui est fondamental pour une société. On parle de compétitivité, on parle d'indépendance. Ce sont des questions vitales aujourd'hui avec l'indépendance alimentaire. Après, il y a les questions de politique d'économie d'énergie. Ça s'est posé avec une force inédite. Et ensuite, l'avance que nous avons et que vous avez bien fait remarquer comme grand groupe concernant la maîtrise du nucléaire et la production d'électricité, comment vous la mettez à profit pour justement prendre de l'avance et ne pas laisser cette avance simplement aux Allemands concernant les énergies alternatives non stockables dont vous parliez et dont le problème est le stockage, justement. Je pense le vent, l'eau et bien d'autres sources d'énergie. Là, on sait très bien, mais je crois que vous êtes mieux placé que nous pour le savoir, que l'innovation dans la production énergétique va prendre une dimension tout à fait inédite et exceptionnelle. Je rencontrais une start-up il y a de cela quelques mois qui me disait qu'ils allaient produire du carburant
avec des algues. Et que ce carburant pouvait être infini. Et surtout non producteur de CO2. Alors, bien sûr, il vantait sa start-up et son produit. Mais on sait qu'ici et là, en Israël, dans beaucoup d'endroits, il y a des chercheurs qui mettent au point des systèmes. Comment EDF, avec la puissance de feu qu'elle a, excusez-moi, c'est peut-être pas la bonne métaphore, mais avec la puissance qu'elle a, prépare l'avenir pour que, on sait très bien qu'il y a eu et il y a aujourd'hui une suprématie du nucléaire qui sera un jour remplacée par une autre suprématie concernant la production d'électricité. Voilà, je finis, monsieur le directeur, sur un sujet qui me tient à cœur. Vous avez parlé d'un sujet concernant l'hydraulisme et les barrages. J'en ai un dans ma région et il a un gros problème. C'est qu'il est régulièrement, le Châtelot, dans le Doubs, vers la Franco-Suisse. Il est régulièrement en travaux et quand il est en travaux, eh bien, c'est un carnage piscicole. Et comment fait-on pour éviter, comme vous le disiez tout à l'heure, quand l'hydraulisme vient prendre le relais du nucléaire, comment on fait pour éviter les lâchers de fond qui sont catastrophiques pour les rivières? Et comment on fait, par exemple, l'Adréal, par exemple, de Franche-Comté, a proposé de créer un bypass au niveau de la centrale afin d'éviter que la rive gauche, par exemple, qui est régulièrement en travaux, ne soit exsondée en cas de rupture. Ça, ce sont une question que je vous pose à côté, mais qui n'est pas une petite question. Parce que si à chaque barrage, et si on revient sur... Et j'ai bien écouté M. Proglio, il a raison de dire que l'hydraulisme doit être développé. L'hydraulique. Oui, l'hydraulique doit être développée, et que dans l'hydraulique, il y a les concessions... Et si elle vient systématiquement pour combler les questions de perte d'électricité, de puissance d'électricité, faisons en sorte que ça se fasse en respectant l'environnement. Merci. Monsieur Sido. Bien, merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai bien écouté l'exposé de Monsieur Proglio, président d'EDF, et je le remercie, c'est très clair. Il s'agirait que le débat soit et les données soient très claires au moment où on discutera de la loi sur la transition énergétique. Et en particulier, tout tourne au-delà des volontés politiques, louables, etc. Tout tourne autour du prix ou des coûts. Il y en a qui font la différence entre les deux, bon, très bien, des subtilités qui m'échappent. Enfin, bref, des prix. Et vous avez donné les prix, Monsieur le Président, et je vous en remercie. L'hydroélectrique, c'est le plus bas, enfin tout est amorti, un jour il faudra refaire les barrages, en tenant compte du prix du kilo de poisson, effectivement. Et le thermique, vous l'avez dit, c'est la valeur aujourd'hui, demain on ne sait pas. Et les énergies nouvelles, vous avez bien dit, effectivement, où on en était, sans compter l'intermittence, c'est-à-dire qu'il faut une puissance équivalente installée au pied du mât de l'éolienne, que ce qui est installé en haut, je trouve que 30% de plus, vous êtes très modeste. Et vous n'avez pas forcé le trait. Et je vous en remercie. Ça permet d'éclairer le débat. Ceci étant dit, je termine par le nucléaire, je me souviens qu'on a discuté d'une loi il n'y a pas si longtemps où vous battiez pour que vous vendiez le mégawattheure 42 euros. Hein, c'est bien ça, vous vous souvenez? Bon, on en est à 55. Et moi, je vous pose la question, monsieur, non, mais je ne discute pas, hein, moi, je ne suis pas spécialiste de la question, je ne suis pas comme d'aucuns, mais je vous pose la question, d'où vient cette dérive? C'est là où je veux en venir. Hein. Non, attendez, je m'explique. Attendez, monsieur le Président, je m'explique. D'où vient cette dérive du prix du kilowattheure et où est-ce que ça va s'arrêter? Parce qu'au fond, toute la question est là. On ne sait pas, au fond, combien... véritablement, quel est le prix du mégawattheure ou du kilowattheure, comme vous voudrez, du nucléaire, parce que, tout simplement, pourquoi? Parce que déjà, les normes de démantèlement des futurs démantèlements des centrales, on en rajoute tous les jours,
Alors forcément, ça se sera attaché au prix du kilowattheure demain, puisqu'on en rajoute tous les jours. Les bétons qui n'ont absolument aucun becquerel à distribuer, ben, il faudra les mettre à Morvilliers dans l'Aube, et donc faire traverser la France à des millions de tonnes de déchets pour aucune raison justifiable. Je précise, il faudrait peut-être aborder le débat d'ailleurs. Et puis je voudrais aborder quelque chose qui me tient très à cœur, c'est le coût naturellement du projet CIGEO. Tant qu'on ne connaît pas le coût du projet CIGEO, en toute bonne foi, Monsieur le Président, vous êtes bien incapable, et je le comprends bien d'ailleurs, d'afficher un prix du kilowattheure. Et plus les années passent, plus le projet CIGEO augmente en coût, et ça ne provient pas des augmentations des subventions au territoire, non, non. Ça provient bien de je ne sais pas quoi d'ailleurs exactement. Et où est-ce que ça va s'arrêter? Puis en plus, demain, on nous demande encore un moratoire de 2 ans pour réfléchir, etc., etc. Bien entendu, l'ANDRA, je ne veux pas reprendre le mot du général de Gaulle, mais l'ANDRA est forcément ravi de chercher 2 ans de plus. Enfin, le coût de l'ANDRA, sans rien faire, c'est 200 millions d'euros. C'est combien? Ça coûte combien l'ANDRA par an? Par an, rien que de faire tourner. Quand est-ce que ça va s'arrêter, Monsieur le Président, à votre avis? Alors qu'on n'a plus les moyens en France de payer toutes ces dérives. Et par conséquent, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur cette... on n'avance pas au niveau de l'ANDRA, de la loi qui aurait dû être attachée dans un titre supplémentaire sur la transition énergétique. Ça y est, on apprend, j'ai appris ça hier, à Bure d'ailleurs, que finalement ça ne serait plus dans la transition énergétique, mais dans une autre loi. Demain, pour etc. Alors, ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président, pour terminer, c'est qu'en tant que président de l'Office parlementaire, je vais organiser au mois de septembre une audition qui me semble importante. Importante parce que, sans que je ne demande rien du tout, plusieurs intervenants des opérateurs d'électricité en Allemagne ont demandé à me voir. Je les ai donc reçus, puisque je reçois tout le monde. Et ils m'ont dit, écoutez, vous, la France, vous, déjà, l'Office parlementaire, c'est très important. Nous, on n'a pas l'équivalent en Allemagne. Et ça nous semble très intéressant. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de membres de cet office éminent ont des idées sur la question. Et vous avez commis plusieurs rapports importants et remarqués sur cette question. Et donc, on vient vous voir pour que nous, les Allemands, on vous aime bien, les Français. Et oui, oui, enfin nous les Allemands producteurs d'électricité, hein, j'entends, hein, on vous aime bien et on ne voudrait pas que vous fassiez les mêmes erreurs que les nôtres. Ils n'ont pas dit que nous, ce ne sont pas les producteurs d'électricité allemands qui ont commis des erreurs. C'est Angela Merkel qui en 8 jours a changé d'avis, qui a pris peur après Fukushima et qui a décidé, etc. Bon. Et donc je vais avoir une audition des producteurs, un certain nombre de producteurs d'électricité allemands. Mais naturellement, nous sommes à l'office, audition complètement ouverte et contradictoire, naturellement. Donc vous serez invité, Monsieur Proglio, de même que d'autres en France. Et puis Monsieur Baupin, naturellement, sera invité, bien entendu. Et tous ceux, tous les contenteurs et tous ceux qui sont contre, etc. Enfin bref, pour qu'on ait un vrai débat et que l'office parlementaire puisse, en amont de la discussion sur la transition énergétique, produire un rapport sur ce qui s'est dit dans la journée, dans une table ronde qui sera publique, bien entendu, avec journalistes et caméras, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire, mais le cœur du sujet, c'est le prix du kilowattheure, me semble-t-il. Merci. Je ne savais pas que M. Baupin était producteur d'électricité, mais bon. Oui, mais les comptes. Monsieur Thierry Repentin, juste une remarque. Je ne suis pas sûr que le prix soit le seul facteur de décision. Enfin, Bruno, il faudra regarder les choses. Monsieur Thierry Repentin. Oui, Monsieur le Président, Directeur Général. Je n'ai qu'une question sur un sujet qui devrait être aussi traité dans la loi sur la transition, que sont les mesures qui pourraient être prises pour favoriser la pérennité sur le sol français de grandes entreprises qui sont aussi des clients d'EDF, que sont les électro-intensives. Bon, il se trouve qu'il y a un an, vous êtes rentré au capital d'une société avec un partenaire allemand pour maintenir sur le sol national 2 entités, une dans les Pyrénées, une dans les Alpes.
permettant, moi je dois le dire, de trouver une solution qui a maintenu 600 emplois directs, 2000 sous-traitants, et qui 11 mois après embauche de nouveau sur les deux sites, que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Bon, cet accord n'est pas allé de soi au début, c'était difficile, mais je voudrais savoir avec le recul, monsieur le président directeur général, ce que vous retirez de cette expérience, et si nous pouvons imaginer que EDF puisse renouveler ce type d'accord qui a été validé d'ailleurs par les autorités bruxelloises, hein, sinon nous aurions dû effectivement y renoncer, car je crois qu'il s'agit là aussi de effectivement la solidité de l'économie française, mais aussi la balance de l'exportation. Vous y êtes attaché comme grand industriel, comme fervent défenseur de l'équipe France, et donc je voudrais savoir si effectivement vous êtes de nouveau ouvert à ce type de solution. Oui, mais je compléterais bien la question de Thierry Repentin. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas une évolution de la part de la Commission de Bruxelles sur cet accord. Enfin, j'ai cru comprendre qu'ils avaient donné, oui, le feu vert, mais je ne suis pas sûr qu'ils le renouvellent. Monsieur Bizet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Broglio, vous avez parlé tout à l'heure en début de propos des différents coûts de l'énergie, et je vous en remercie, et vous avez souligné l'irruption dans le paysage énergétique mondial de nos amis américains qui, avec le gaz de schiste, ont totalement modifié le coût de l'énergie. Et si hier nous avons malheureusement pu constater des délocalisations dues au coût horaire du travail, délocalisations de l'Europe vers l'Asie, je crains que nous ayons demain, ou même très rapidement, des délocalisations que j'appellerais énergétiques, mais non pas de l'Europe vers l'Asie, mais de l'Europe vers les États-Unis, à cause précisément du coût de l'énergie. Je vous donne simplement un chiffre. Depuis ces deux dernières années, un certain nombre d'entreprises électro-intensives allemandes ont investi près de 12 milliards d'euros à l'étranger, dont 10 milliards précisément sous-tendus par le fait de la recherche d'une énergie moins chère qu'en Allemagne. Donc, moi, ma question, la question que je voulais vous poser concerne l'Europe de l'énergie. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où on parle beaucoup de transition énergétique. On s'aperçoit en regardant ce que fait l'Allemagne, que ce n'est surtout pas l'exemple qu'il faut suivre, et que la transition énergétique ne peut se raisonner à titre individuel, état par état. Ça ne peut être qu'une approche, je dirais, d'ensemble. Donc, moi, j'appelle de mes voeux, déjà depuis quelque temps, une coopération renforcée en la matière. J'ai salué avec intérêt la création du groupe Magritte par M. Mestrallet et GDF Suez. Ma question est donc la suivante. Comment un grand groupe tel que le vôtre peut-il pertinemment intéresser les pouvoirs publics pour essayer de faire comprendre que la création d'une Europe de l'énergie est aujourd'hui une urgente nécessité? Vous allez me dire, c'est une décision politique, uniquement politique. Certes, je le conçois, sauf que s'il y a des pressions d'un certain nombre de grandes entreprises, la décision, elle sera prise plus aisément et plus rapidement. Et pour moi, à mon avis, si on veut réindustrialiser l'Europe, si on veut réindustrialiser la France, l'urgence de la création d'une Europe de l'énergie est plus que jamais d'actualité. Merci, Monsieur le Président. La parole est à la Défense. Merci, Monsieur le Président. Je ne me sens pas tellement agressé, d'ailleurs, dans les propos, mais je vais essayer de répondre sans. Et puis, si j'oublie tel ou tel sujet, oui. Je pourrais m'en excuser. Je suis tout à fait disposé à revenir en arrière, ou en tout cas à compléter. Bon, d'abord, je voudrais revenir sur les fondamentaux. C'est-à-dire, au fond, EDF n'est pas un producteur d'énergie électrique. EDF est un opérateur de service public. C'est un peu différent, si je puis me permettre. C'est assez différent. Pourquoi ? Parce que nous avons une mission de service public. Et cette mission de service public, elle consiste à donner au territoire national et à ses concitoyens à la fois l'énergie en quantité, en durée, en pérennité de service, en compétitivité suffisante pour assurer cette mission. Ceci étant posé,
Ça veut dire qu'EDF n'est en rien hostile aux économies d'énergie. Alors, on regarde parfois de manière un peu étonnée, mais comment, qu'est-ce que vous allez faire, pourquoi est-ce que vous vous battez pour faire des économies d'énergie alors que vous êtes vendeur d'électricité? Et deuxièmement, EDF n'est pas le lobby nucléaire. D'ailleurs, quand on regarde EDF globalement, dans le monde entier, en dehors de la France et de la Grande-Bretagne, ailleurs, on n'est pas nucléaire. Donc on est en fonction des pays plus ou moins orientés vers l'optimisation et l'existant. Bon. Donc on s'adapte. Et je voudrais par là repousser un peu l'idée qu'on défend le nucléaire parce qu'au fond, c'est notre spécialité, notre expertise. Non, on a plusieurs expertises. On est les premiers développeurs d'énergie nouvelle en Europe. Effectivement. Nous sommes les premiers opérateurs nucléaires au monde. Encore une fois, les premiers hydrauliciens. Alors, en Europe, au monde non, puisque les ressources hydrauliques du Canada, de la Russie, du Brésil, sont telles que, effectivement, on n'est pas compétitif, enfin, on est en volume, et de la Chine maintenant avec les trois gorges, font que aujourd'hui on est le cinquième opérateur mondial. Derrière, c'est les mammouths, mais ces mammouths qui sont là parce que les raisons géographiques et géologiques sont telles qu'on ne peut pas être compétitif, sauf si, et c'est ce à quoi on travaille, on se développe partout dans le monde, dans l'hydraulique, de manière à. En fait, on ne peut pas se limiter à la France. De toute façon, EDF est trop gros aujourd'hui pour être exclusivement français. Nous avons une mission de service public en France. Donc nous avons la fierté de l'assumer de manière efficace et de répondre à toutes les questions. Et c'est la question de la transition énergétique en France. C'est une question qui se pose à nous, à laquelle on essaie de donner les meilleures réponses possibles, mais sans qu'il y ait un sous-jacent, je dirais, d'a priori industriel. Bon. Non, on essaie de faire en sorte que la mission de service public soit, je dirais, le mot d'ordre et le fil conducteur de notre démarche. Mais ne m'en veuillez pas si je le rappelle, mais c'est important, je crois, de systématiquement le remettre en point d'orgue, parce que sinon, on apparaîtra comme étant toujours de parti pris. Ce n'est pas le sujet. Bon, si j'avais le sentiment qu'au fond, il faille véritablement baisser la puissance nucléaire de la France, parce que c'est l'intérêt de la France, je le ferai spontanément, sans qu'on me le demande. Donc n'y voyez pas le moindre coude dans le raisonnement. Bon. Deuxièmement, la loi NOM. Bon, alors en France, les politiques françaises, les gouvernements successifs ont décidé à la fois d'assurer l'indépendance énergétique, la prévisibilité et la compétitivité du territoire qui ont été à l'origine de l'aventure nucléaire française, qui a été confiée à EDF, qui a rendu sa copie. Aujourd'hui, on peut le reconnaître avec un certain succès, mais par ailleurs, comme les pouvoirs publics ont décidé de ne pas casser l'outil nucléaire pour au fond préserver à la fois la sûreté nucléaire d'une part, la compétitivité et la compétence de l'autre, et éviter le désordre qu'aurait provoqué la scission en plusieurs morceaux du parc nucléaire, eh bien, du fait de la compétitivité de ce parc nucléaire, on nous a forcé à accepter une loi qui nous fasse subventionner la concurrence. C'est-à-dire qu'au fond, la loi NOM, qu'est-ce que c'est? On vend notre capacité électronucléaire, 25% de la production électronucléaire française, à nos concurrents, à un prix significativement inférieur à son coût de revient. Je vous ai dit que son coût de revient était à 55 €, je le maintiens. Nous l'avions dit à l'époque. Certains de nos concurrents prétendaient que c'était 31 €. Bullshit total. Enfin, aujourd'hui, on le sait qu'ils mentaient. Bon, on n'en tire pas les conséquences nécessaires. Ils ont menti. Je dis simplement qu'on a accepté 42 € parce que c'était le niveau du tartam à l'époque passant. Enfin bon, plus personne ne connaît la famille, l'oncle, le papa, la maman tartam. Enfin bon, c'était 42 € le tartam d'été. Vous voyez, enfin, il y avait un tartam d'été, un tartam d'hiver, etc. Enfin, il fallait être hyper spécialiste. Pardon Jean-Claude, mais ça existait. On a dit, bon, allez, 42. Bon, je me suis battu comme un chien pour avoir 42 €. On a eu 42 € qui étaient bien sûr inférieurs au coût économique. Donc, on ne peut pas nous reprocher aujourd'hui que le coût économique soit supérieur. J'ai simplement répondre à la question, est-ce que le prix a dérivé? Non. C'était déjà 55, on vend à 42. Ce sont eux qui l'ont voté, je vous signale. Oui, non, mais je voudrais simplement soulager les scrupules moraux de M. Sido. On n'a pas dérapé, c'est simplement que c'était déjà le cas à l'époque. Oui. Pardon. Ah oui, non, mais c'est stupide. Non, c'est pas le prix. Le 42, c'était une convention, c'était un prix de cession favorable, c'est-à-dire qu'on subventionnait la concurrence pour qu'elle puisse venir nous piquer des parts de marché. C'est assez original. Mais on est les seuls industriels au monde à qui on nous demande de financer les concurrents pour qu'ils viennent nous piquer des parts de marché. Vous êtes éligible au CIR. Donc c'est bien, quoi, mais. Dans la mission de service public, il y a aussi le fait de subventionner les concurrents. C'est comme ça. Donc, oui au service énergétique. Oui à l'optimisation énergétique. Sous quelle forme? Alors, c'est vrai que la maison EDF n'y était pas
nécessairement préalablement accoutumé, parce que ce n'était pas son métier d'origine, d'autant plus que jusqu'en 2006, date d'ouverture du marché, EDF avait l'interdiction, par le principe de spécialité, de développer des services énergétiques. D'où l'initiative qui avait été prise par mon antéprédécesseur François Rousseli, avec ma petite personne à l'origine de l'accord d'Alkia qui présidait au destin de cette entreprise de Veolia, lorsque nous avons croisé nos destins avec EDF pour créer cette plateforme de services énergétiques commune entre Dalkia et Veolia, que nous allons récupérer aujourd'hui, qui avait vocation à être le complément d'objet direct de services énergétiques, donc d'optimisation énergétique, à l'opérateur historique. Aujourd'hui, on va le récupérer et on va avoir une offre de services, à la fois dans l'optimisation énergétique pour le logement, le bâtiment et l'entreprise, au travers de Dalkia, et les collectivités territoriales, réseaux de chauffage, de froid, etc. En même temps, pour l'industrie, services industriels, optimisation de systèmes d'énergie pour les entreprises, en même temps que l'éclairage public qui s'allume, en même temps que les services énergétiques répartis à la maille locale, avec notamment le Waste to Energy, avec TIRU, etc. Donc, vous voyez, on a un bloc de services et d'optimisation énergétique qui va être demain, à partir du mois de juillet, le complément d'objet direct du réacteur EDF sur la maille locale, d'une part, l'optimisation énergétique, d'autre part. Je rajoute à ça que dans les débats que nous avons eus en France sur les sujets énergétiques, quand le sujet s'est posé de la fameuse discussion sur la loi NOM en 2011, et ce combat homérique pour obtenir les 42 euros, qui évidemment, comme je te rappelais à l'instant, je ne vais pas me répéter. À l'époque, 2012, pardon, sortait une réglementation thermique. Pourquoi pas? Si ce n'est qu'on l'a confié à Gaz de France, qui a rédigé le texte de la réglementation thermique. Et comme par hasard, la réglementation thermique française est totalement pro-gazière, c'est-à-dire au fond, aujourd'hui. Alors, on ne peut pas se battre sur tous les fronts. Je m'étais battu sur le front de la loi NOM. Je ne pouvais pas, en même temps, pour éviter de me faire curiasser, me battre sur le problème de la réglementation thermique. Aujourd'hui, je pose la question, elle est très ouverte. Pourquoi est-ce que cette réglementation thermique est autant en faveur du gaz, c'est-à-dire de l'énergie importée, et pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas aux attentes de l'optimisation en matière de logement? La question est ouverte, messieurs les parlementaires. Et donc, au fond, moi, je me dis qu'une réglementation peut être suivie d'une autre réglementation, qu'elle n'est pas figée dans le marbre, et qu'on peut toujours réfléchir. J'incite à la réflexion, car j'ai le souci aujourd'hui, dans l'optimisation du système énergétique français au sens large, que les économies d'énergie, l'optimisation énergétique du logement ne passent pas forcément par les importations gazières, et que cette réglementation mérite d'être au moins réactualisée. C'est tout ce que je veux dire. Pardon, mais je me devais de le rappeler, parce que dès lors qu'on parle d'économie d'énergie, d'optimisation énergétique, il faut voir toute la palette des mesures. Alors les mesures incitatives font partie de cette démarche. Donc oui, EDF sera un acteur, et un acteur important de l'optimisation énergétique et de l'économie d'énergie, parce que c'est sa mission. Et j'allais dire, c'est son métier. Et nous le ferons complètement. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'en complément d'objet direct, nous repartions sur comment est-ce qu'on peut optimiser le système énergétique qui nous est confié, c'est-à-dire l'électricité, et que une partie de l'optimisation viendra du mix énergétique en amont de fabrication, une autre partie viendra en aval des économies d'énergie, la troisième partie viendra au milieu des réseaux intelligents qui feront partie du système électrique. Et donc, les smart grids et donc les réseaux intelligents qui seront un des éléments clés de l'optimisation énergétique. Et nous investissons simultanément sur l'amont, sur l'aval et sur les réseaux. Je confère les 6 milliards que nous allons investir pour le compteur dit interactif, qui sera un des premiers éléments des réseaux intelligents, pas le seul et de loin. Et puis, tout ça, parce qu'on est un grand opérateur mondial, draine toute une industrie sous-jacente. Oui, nous sommes les leaders parce qu'on est l'opérateur de référence en matière nucléaire et qu'il est légitime et normal que nous assumions une responsabilité particulière dans la filière industrielle du nucléaire français dans le monde. Oui. Et nous le faisons de façon délibérée, volontaire et responsable. Parce que c'est, comme je l'ai dit à une certaine époque,
semble me fait critiquer. C'est 250 000 emplois directs, la filière industrielle nucléaire française. C'est la troisième filière industrielle française, derrière l'automobile et l'aéronautique. Ne l'oublions pas. Ces emplois, si on gagne la bataille du nucléaire mondial, ils ne demandent qu'à se développer. C'est notre responsabilité collective, et en tout cas, c'est la mienne. Ensuite, vous avez toute la démarche industrielle dans les autres systèmes électriques, dans les autres moyens de production. Vous avez parlé des énergies nouvelles. Nous sommes le premier développeur d'énergie nouvelle au monde, en Europe, au travers d'EDF Énergie Nouvelle, dont nous maîtrisons désormais 100% du capital. Eh bien, nous développons ces énergies nouvelles partout où c'est rationnel. Parce que la mission de service public fait que, plutôt que de rebondir sur les modes ou sur les spéculations, au moment, en 2010, où je visite la campagne française des Landes, dévastée par la tempête Katrina, je vois le président du Conseil général et je lui dis, président, je trouve que nous le connaissons tous, bientôt votre département sera une immense ferme photovoltaïque. Il n'y aura plus d'habitants parce qu'il n'y aura plus d'espace. Bon. Simplement, les 600 euros le mégawattheure de subvention versée, enfin de tarifs garantis pour le photovoltaïque dans les Landes, étaient tellement élevés, 600 euros le mégawattheure, que tous les propriétaires terriens avaient intérêt à fabriquer des fermes photovoltaïques plutôt qu'à faire repousser des pins. Le revenu annuel procuré par les fermes photovoltaïques était deux fois supérieur à la valeur de leur patrimoine chaque année. Bon. Il y a eu une spéculation folle. Quand on voit le désastre allemand, c'est la conséquence d'une spéculation financière. C'est ni plus ni moins que ça. Quand je rencontre le ministre allemand de l'énergie, il y a maintenant un peu plus de 12 mois, qui était à l'époque ministre allemand de l'énergie, il est maintenant ministre à la chancellerie, M. Altmaier. Il me dit, Pouillot, vous savez, je vais vous faire une confidence, le montant des subventions déjà accordées aux renouvelables allemands dépasse les 1200 milliards d'euros. Bon. Capitalisé sur les 20 ans de contrat, hein, puisque ce sont des contrats purs annuels comme chez nous. Ça veut dire que c'était 20% de plus que la réunification allemande. On s'étonne après du désastre. Donc c'est vrai que l'Allemagne est un contre-exemple. Aujourd'hui, on peut le dire. Les Allemands eux-mêmes le reconnaissent, alors qu'il y a un an, simplement, il était malsain de le dire parce que ce n'était pas politiquement correct. De fait, on est devant ce désastre-là. Ce qui fait que les deux opérateurs allemands sont aujourd'hui à un état avancé de décomposition, voire de dépôt de bilan pour l'un des deux. Bon. Constaté. Quand je vends notre filiale allemande en 2011, bon, je la vends pour 7 milliards d'euros, elle ne vaut plus rien. Elle ne vaut plus rien. Bon. Donc, parce qu'il était évident que ça allait tourner au désastre. C'était avant les événements. Donc, bon. Donc voilà la réalité. Donc, la mission de service public fait qu'EDF ne peut pas se permettre d'être spéculateur financier, ne peut pas se permettre de ne pas anticiper, ne peut pas se permettre d'être simplement d'épouser les contours des modes. Mais se sent responsable sur la durée de cette mission et de sa responsabilité vis-à-vis de la France et des Français, et de l'économie française. Une des questions, c'est est-ce que nous acceptons ? Oui, on acceptera de toute façon d'accompagner l'économie française et l'industrie française dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'aller subventionner, entre guillemets, des entreprises en difficulté, ce n'est pas le sujet. Mais s'il s'agit de donner à l'entreprise France, aux entreprises installées en France, quelle que soit leur nationalité, un atout compétitif qui s'appelle l'électricité, oui, on le fera. Dès lors que c'est possible, dès lors qu'on aura les autorisations, dès lors qu'on ne sera pas condamné à Bruxelles pour aide d'État. Donc il faut être assez attentif aux modalités opératoires. On a signé des contrats dans cette perspective-là, on les a avenantés de manière... etc. Je ne veux pas m'appesantir sur ces sujets parce qu'ils nous rendent vulnérables aux attaques de nos chers concurrents. L'Europe de l'énergie n'existe pas. On ne part pas d'une page blanche. Aujourd'hui, la compétition fait rage entre les pays européens. Nous avons collectivement, la France a un atout dans ce domaine. Alors la solidarité, ce n'est pas forcément de partager l'atout avec ceux qui n'en ont pas, parce que finalement, on n'est pas assez riche pour ça. Donc l'égoïsme, c'est-à-dire la compétitivité du territoire. Parce que si on doit faire la différence, on la fera sur nos atouts et pas sur nos faiblesses. Soyons conscients de nos faiblesses et essayons de les contourner. Mais soyons conscients aussi de nos atouts et essayons de ne pas les partager. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde nous jalouse notre compétitivité dans le domaine électrique. D'où les attaques dont nous sommes systématiquement l'objet.
c'est pas une raison pour les partager. Donc je pense que, avant de passer de l'Europe de parler de l'Europe de l'énergie, parlons de la France de l'énergie et parlons des atouts français. Et puis ensuite, parlons des défauts des autres. Et puis voyons comment éventuellement nos atouts peuvent leur permettre à eux d'avoir, je dirais, une réponse à leurs questions, mais sans pour autant négliger notre compétitivité ni nos quelques avantages, encore une fois, qui sont très importants pour l'emploi, pour la compétitivité du territoire et pour l'entreprise France. Sur le coût de l'énergie, encore une fois, nous n'avons aucun atout dans les autres énergies que dans l'électricité, puisque les autres énergies, par définition, sont importées. Enfin, les énergies fossiles, en tout cas. Les énergies nouvelles, entre guillemets, renouvelables, l'hydraulique, bien entendu, qui est la première d'entre elles, et les autres énergies renouvelables doivent être sollicitées pour autant qu'elles sont rationnelles, c'est-à-dire qu'elles obéissent. C'est vrai qu'il vaut mieux faire du photovoltaïque là au lieu du soleil. Bon. Malheureusement, on a eu l'habitude, pour compenser les gens qui n'avaient pas la chance d'avoir du soleil, de leur donner des prix, des subventions plus importantes que là où il y a du soleil. Ce qui fait qu'on a beaucoup développé le photovoltaïque dans le nord et beaucoup moins dans le sud. Pas forcément rationnel, mais ça faisait partie des revendications naturellement des territoires. C'est normal que quelqu'un qui n'a pas de soleil veuille se compenser son manque de soleil par des subventions. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas dans l'énergie. Et c'est comme ça que l'Allemagne a développé beaucoup de photovoltaïque au nord de l'Allemagne. Alors, c'est assez original, parce que quand on connaît le nord de l'Allemagne, on sait qu'il n'est pas écrasé de soleil. Enfin, pas tous les jours, en tout cas. Bon. Et de la même manière, on a fait de l'éolien là où il n'y avait pas de vent. Mais on peut, bientôt, et pour des raisons écolo, d'ailleurs, on nous fera faire des éoliennes dans les talvegs, protégées du vent, parce qu'ils seront en profondeur. Mais c'est vrai que ce n'est pas totalement rationnel. Il vaut mieux le mettre sur des crêtes que dans des bas. Bon. Mais là aussi, la subvention fausse tout. S'il suffit de contrebalancer par des subventions des conditions économiques ou des conditions géographiques défavorables, alors c'est vrai que ça conduit à des conclusions un peu absurdes. Voilà ce que je voulais dire en quelque sorte. Les collectivités territoriales ont un rôle absolument déterminant à jouer dès lors que on regarde le problème, un, des économies d'énergie et de l'optimisation énergétique, parce que c'est vrai que, par exemple, dans le logement, qui mieux que les élus locaux connaissent le patrimoine et connaissent l'efficacité des interventions qui peuvent être réalisées. Donc, au fond, décentraliser, rapprocher du territoire tous les efforts d'optimisation énergétique me paraît vraisemblablement la meilleure solution. Bon. Sans pour autant faire en sorte qu'il y ait des connexions entre la maille territoriale et la maille nationale, parce qu'il faut que ça soit cohérent, il faut que le système soit cohérent, c'est-à-dire que le système réparti et le système centralisé travaillent la main dans la main de manière efficace, et que chacun sache qui fait quoi, bon. De manière à ce qu'il n'y ait ni redondance, ni rupture de raisonnement. Je crois beaucoup au système intégré, je crois beaucoup à l'efficacité du système intégré, je crois au fait que les réseaux s'intègrent parfaitement à l'amont et à l'aval du cycle, parce que dès lors qu'on sépare les réseaux de la production et de la commercialisation et de l'optimisation énergétique, on va vers des incohérences. On le voit dans le fer de manière un peu caricaturale. On peut le faire aussi dans l'électricité. C'est assez facile de répliquer ou de dupliquer des bêtises. Mais lorsqu'on se rend compte qu'on les a faites, c'est pas la peine d'essayer d'en ajouter une à une autre pour démontrer qu'on est capable de le faire, c'est déjà assez clair. Voilà pour cette audition d'Henri Proglio, le PDG d'EDF, qui s'est exprimé lors de cette audition sur les priorités à mettre en œuvre pour atteindre les priorités du gouvernement en matière de réduction des gaz à effet de serre, en matière de réduction de la part du nucléaire dans notre mix énergétique et afin d'augmenter la part des énergies renouvelables. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site sur publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 19h pour 24h Sénat, présenté par Delphine Girard. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.